Après avoir terminé la méthode conventionnelle de la construction des circuits séquentiels, on va voir maintenant les circuits séquentiels les plus utilisés, ou bien les plus connus. Voilà, les circuits séquentiels les plus connus. On va commencer avec le premier. Le premier, c'est les registres. Les registres, c'est pratiquement le circuit séquentiel le plus utilisé. Vous allez trouver des registres à l'intérieur des processeurs, à l'intérieur des circuits séquentiels, à l'intérieur des cartes graphiques, à l'intérieur... Généralement, n'importe quel circuit séquentiel ou bien n'importe quel circuit numérique, il va contenir des registres à l'intérieur. Ça va lui permettre de mémoriser l'information sur plusieurs bits. Alors, il faut savoir que le registre, on avait déjà défini ça. On avait déjà entamé au début du chapitre dans la partie étude des mémoires. On l'avait déjà étudié, on avait défini, sa définition elle est très simple. Sa définition, c'est que le registre est un tableau de des flip-flops. Voilà, c'est une définition très simple. Chaque flip-flop, ou bien chaque cellule, elle va contenir, elle va mémoriser un seul bit. On va rassembler ces bits pour former ce qu'on appelle un mot mémoire. Un mot mémoire, ou bien une information sur plusieurs bits. Ce qu'on va voir de nouveau, c'est deux commandes. Voilà, je vais dire, il peut avoir des commandes de lecture in et ou d'écriture out. Chaque registre, il peut avoir deux commandes. C'est la commande de lecture et la commande d'écriture. On va comprendre c'est quoi ces commandes. Ces commandes sont assez importantes pour utiliser les registres. Alors, sur cette figure, on peut voir le schéma global d'un registre. Il est un peu différent de ce qu'on avait fait la fois passée, mais ce schéma global, il est assez connu, il est assez utilisé dans la littérature. Voilà, on peut voir les éléments importants d'un registre. Ce registre, il est sur 4 bits. On peut voir ici l'horloge, on peut voir ici le triangle pour signifier que l'opération s'effectue lors du fragmentant d'horloge. On peut voir l'entrée ici, elle est sur 4 bits. La sortie ici, elle est sur 4 bits. Je rappelle juste, l'écriture, c'est ici, c'est par l'entrée. L'écriture, ça veut dire on fait entrer une nouvelle information pour la sauvegarder à l'intérieur du registre. Et en contrepartie, on a la sortie. La sortie, c'est la lecture. C'est la lecture de l'information qui se trouve à l'intérieur du registre. La sortie et l'entrée, ils ont deux commandes particulières. Il y a le write, ou bien l'écriture, le write, ou bien le in. Le write, qu'est-ce qu'il fait? Il permet au registre d'entrer une nouvelle valeur et d'écraser l'ancienne. Ça veut dire de mettre à jour l'information à l'intérieur du registre. On avait déjà étudié les registres au préalable, mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que à chaque fragmentant d'horloge, le registre, il doit écrire une nouvelle valeur. En utilisant cette commande, on peut contrôler le moment d'écriture. Ça veut dire, supposons par exemple, on ne veut pas changer la valeur à l'intérieur du registre, par exemple pendant 10 périodes, par exemple. Là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser cette commande. Cette commande, on va bloquer ou bien inhiber l'écriture jusqu'à faire passer plusieurs périodes. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, si on donne la valeur 1, le registre, il va écrire la nouvelle valeur qui se trouve ici dans E. Il va l'écrire, la nouvelle valeur, il va la faire entrer, bien sûr, lors du front montant. Bien sûr, l'écriture, elle se fait toujours par rapport au front montant. Si je donne par exemple la valeur 0 au write ou bien au in, là, le registre, il ne va pas changer l'information. Il va toujours garder l'ancienne information. Même s'il y a un front montant, l'information dans E ne va pas entrer. Et elle ne va pas changer l'intérieur du registre. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le registre, il préserve l'information. Et cette commande est très importante. Franchement, elle est très, très utile. Elle est très utile. Normalement, on a besoin de mémoriser l'information sur plusieurs cycles et sur plusieurs périodes. Par contre, le read, ou bien le out, cette commande elle est moins importante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de faire sortir l'information dans S. Comment ça? Concrètement, si on donne la valeur 1 au read, qu'est-ce que ça veut dire? L'information sauvegardée, mémorisée à l'intérieur du registre, elle va sortir dans S. Elle est disponible dans S. Ici, il n'y a pas de fromentant. Ça veut dire qu'elle est disponible tout au long de la période. Ce n'est pas par rapport au fromentant. Ici, le fromentant n'a aucun intérêt. Ça veut dire que l'information elle est disponible tout au long de la période. Par contre, si on donne la valeur 0 ici au read, que va-t-il se passer? Le registre il va couper la sortie de l'intérieur. Ça veut dire ici, en S, on va avoir la valeur Z, on va avoir la valeur flottante. La valeur flottante, on a déjà étudié ça. La valeur flottante signifie que le fil, il est coupé. Ça veut dire que le fil, il n'y a pas de connexion entre la mémoire et la sortie. Le fil, il est coupé et c'est la sortie Z. Z, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information. Z, c'est le troisième état. Il ne représente pas une information proprement dite. Voilà, globalement, ça fonctionne. Le read fonctionne de cette manière. Le read fonctionne de cette manière. Alors, on va continuer et on va voir réellement comment ces deux fonctionnalités elles sont implémentées à l'intérieur du registre. Voici un registre à l'intérieur. On peut remarquer la première chose, c'est que chaque cellule est indépendante de l'autre cellule. Par exemple, ici, ça c'est le E3, ça c'est la dernière cellule, c'est la quatrième, c'est la cellule du bit 4. On peut voir que son entrée c'est E3, sa sortie c'est S3, et ces deux parties, elles sont totalement indépendantes de sa voisine E2. Elles sont indépendantes, chaque cellule est indépendante, et c'est logique. Parce que chaque cellule, elle est responsable de mémoriser un bit. Ce bit est totalement indépendant du bit suivant. Les bits, ils sont indépendants. Voilà, on a ici le E3, c'est l'entrée de la cellule du bit 4. La sortie, c'est S3. La sortie, c'est S3 et on peut voir qu'elle est récupérée directement de la sortie Q de la D-flip-flop. La deuxième remarque, c'est l'horloge. On peut voir qu'il y a une horloge commune, synchrone, avec toutes les cellules. Les cellules possèdent la même horloge. Ça veut dire que l'opération se fait en parallèle, en même temps, sur toutes les cellules. Comment ça va se passer normalement? Si on donne par exemple des valeurs ici, E3 par exemple 0, E2, 1, etc. Lors de l'arrivée du fromentant, chaque cellule, son information va entrer par D ici. Par exemple, E3, le 0 dans E3, il va entrer dans D. E2, l'information se trouvant dans E2 va entrer dans le D de la cellule, ça c'est la cellule 3. E1 pour la cellule 2, E0 pour la cellule 1. Tout ça en même temps, lors du fromentant de l'horloge, ils vont entrer en même temps sur les 4 cellules. Pour la sortie, on a la sortie sur Q pour chaque cellule instantanément. Dès que l'information est modifiée à l'intérieur de la cellule, Q ici va sortir l'information qui se trouve à l'intérieur. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez simple, c'est une structuration assez simple pour créer un registre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le write et le read. On peut voir le write ici. Le write, c'est un signal qui se propage vers toutes les cellules. Et on peut observer qu'il va entrer dans l'entrée enable de la D flip-flop. On connaît très bien cette entrée. On l'a très bien utilisée, on l'a très bien définie. Qu'est-ce qu'enable? On avait dit c'est activer. Ça permet d'activer et de désactiver la cellule. Alors, on avait dit que activer, ça veut dire la cellule fonctionne normalement. C'est qu'elle va changer l'information lors du fromentant. Ça veut dire activer. Désactiver signifie que la cellule contient toujours l'information. Désactiver, Ça ne veut pas dire qu'elle va perdre l'information. Elle contient toujours l'information. La chose qui est désactivée, c'est que le fromentant ne va plus changer l'information. Le fromentant, c'est le fromentant qui est désactivé. C'est l'écriture qui est désactivée. Ça veut dire le fromentant ne va rien changer, ne va faire aucune action. Ne va faire aucune action sur la cellule. Si le fromentant ne fonctionne pas, ça veut dire que l'information se trouvant à l'extérieur ne va pas entrer à l'intérieur de la cellule. Voilà. Si on donne par exemple 0, alright, ce 0 va se propager pour les 4 cellules et ces 4 cellules vont être désactivées. Désactivées, qu'est-ce que ça veut dire? Elles contiennent l'ancienne valeur. L'ancienne valeur est toujours là. N'est pas désactivée, ça ne veut pas dire que l'information est perdue. Non, elle contient toujours l'information, mais cette fois-ci, lors du fromentant, rien ne va changer. L'information est toujours capturée et elle ne va pas changer lors du fromentant. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Par contre, si on donne la valeur 1, alright, que va-t-il se passer? Le 1 va se propager et ici, la cellule, elle va fonctionner correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Lors du fromentant, l'information à l'intérieur, elle va être mise à jour, elle va changer, elle va être mise à jour. Ça veut dire l'écriture, elle va s'effectuer. Si on donne 1, l'écriture, elle va s'effectuer sur les 4 cellules. Voilà, ça c'est le mode de fonctionnement du write, de l'écriture. En contrepartie, le read, ou bien la lecture, on va utiliser ce qu'on appelle des three-state buffers. On avait déjà connu ces portes. Ces portes, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de découper le fil. Leur rôle, c'est de découper le fil. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, si on donne la valeur 0 au read, ce 0 il va se propager pour les 4 three-state buffers. Bien sûr, si l'entrée de commande du three-state buffer, elle a la valeur 0, elle va découper le fil. Comment elle va découper le fil? Elle va découper ce fil qui représente la sortie de la cellule avec le fil de la sortie du registre. S3 sera découpé de Q. Et s'il est découpé, ça veut dire que c'est la valeur Z qui va sortir. Z, c'est lorsqu'on a un fil découpé. Il n'a pas de signal, il va sortir la valeur Z. Et c'est la même chose pour toutes les sorties. Toutes les sorties vont sortir la valeur Z si la lecture, on lui donne la valeur 0. Si on lui donne la valeur 1, dans le cas contraire, si on lui donne la valeur 1, 1 va se propager et il va activer le three-state buffer. Activer, ça veut dire il va laisser passer le signal. Ici, la valeur dans Q va sortir directement dans S3. La même chose pour les autres cellules. Ça veut dire que l'information arrive à sortir. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on arrive à lire l'information à partir du registre. Voilà, ça c'est la définition et la construction interne d'un registre. Le circuit suivant qu'on va voir, c'est les shifters. Normalement, on a déjà étudié les shifters. On les a étudiés, on les a vus dans les circuits combinatoires. On avait dit que les shifters ou bien les décaleurs, c'est des circuits combinatoires qui permettaient de décaler les bits à gauche ou bien à droite. Un circuit combinatoire de type shifter fonctionnait de cette manière. On lui donnait en entrée une valeur. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la décaler. Il va décaler à gauche ou bien il va la décaler à droite. Bien sûr, pour les circuits combinatoires, il existait la notion de taux ou bien le nombre de bits à décaler. Ça veut dire il y a une entrée de commande dans le shifter combinatoire pour savoir combien de bits il faut décaler cette valeur. Ça veut dire il pouvait décaler de 2 bits, de 3 bits, ça dépend. Il faut lui donner le taux ou bien le nombre de bits à faire décaler. Ça, c'était les shifters combinatoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier les shifters séquentiels et ils fonctionnent différemment. Ils fonctionnent différemment. Comment ils fonctionnent? On va lire. Pour chaque fromentant, le décalage est fait sur un seul bit. Ici, il n'y a pas de notion de taux. Pour les circuits séquentiels, pour les shifters séquentiels, il n'y a pas de taux. Le shifter séquentiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le décalage pour chaque fromentant. Ça veut dire c'est en fonction du temps. Le premier fromentant, il va décaler la valeur d'un seul bit, ou bien à gauche ou bien à droite, ça dépend du type. Pour le deuxième fromentant, il va encore décaler d'un seul bit. Pour le troisième fromentant, il va encore décaler, et ainsi de suite. Il fonctionne de cette manière. Pour chaque fromentant, il décale la valeur en binaire, en entrée, d'un bit. Il va la sortir, bien sûr, à sa sortie, décalée. Il va la sortir décalée dans sa sortie. Voilà, globalement, ça c'est le principe de fonctionnement d'un shifter séquentiel. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'il y a deux types de shifters. Sans parler de gauche à droite, il y a deux types de shifters séquentiels, gauche et droite, on va en parler. Mais le plus important, c'est qu'il y a une autre manière de catégoriser les shifters, c'est les deux types SIPO ou PISO. Je vais dire, il y a deux types de shifters existent. Il y a les shifters SIPO, il y a le shifter PISO. C'est quoi ça? C'est quoi SIPO et c'est quoi PISO? On va voir sur le diagramme. Ici, par exemple, on a à gauche un shifter SIPO et à droite un shifter PISO. C'est quoi la différence? La différence, c'est lors de la transmission de l'information. Parfois, elle est transmise en série, parfois, elle est transmise en parallèle. Par exemple, si on lit ici, le shifter ici, c'est un shifter 4 bits de type SIPO. SIPO, ça veut dire Serial In Parallel Out. Serial In, c'est l'entrée. L'entrée, elle est en série. Parallèle out, la sortie, elle est en parallèle. De l'autre côté, c'est la même chose. PISO, ça veut dire parallèle in. In, c'est l'entrée. Ça veut dire l'entrée, elle est parallèle. Et serial out, la sortie, elle est en série. Le in, c'est l'entrée. Le out, c'est la sortie. Mais on doit bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire série, qu'est-ce que ça veut dire parallèle. Ces deux notions sont assez simples. Série, ça veut dire si on a une valeur sur plusieurs bits, ces valeurs, on doit les transmettre à la chaîne bit après l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ai une valeur sur 4 bits. Je vais commencer par transmettre le premier bit. Ensuite, je vais le suivre par le deuxième bit. Et suivre le deuxième bit par le troisième bit, et suivre le troisième bit par le quatrième bit, et ainsi de suite. Ça, c'est une transmission à la chaîne. Ça, c'est la transmission en série. La transmission en parallèle, c'est l'inverse. Ça veut dire, si j'ai 4 bits, je vais les transmettre en même temps. Ces valeurs, elles sont transmises en même temps. Comme par exemple ici, le shifter SIPO. Qu'est-ce qu'on a? On a une seule entrée. Pourquoi une seule entrée? Parce que les bits, ils vont entrer un bit par bit. C'est le premier bit, deuxième bit, troisième bit. C'est bit après l'autre. On a besoin qu'une seule entrée. Par contre, la sortie, on en a 4. Pourquoi? Parce qu'on va sortir toutes les valeurs en même temps. C'est en parallèle. C'est en parallèle. La même chose pour le shifter PISO. PISO, c'est parallèle in. Les 4 valeurs, on doit les entrer en même temps. Toutes les valeurs, elles vont entrer en même temps. Par contre, on a le serial out. Ça veut dire on a une seule sortie. Cette sortie, elle va sortir l'information une après l'autre. Elle va sortir l'information une après l'autre. On va faire un exemple pour bien comprendre. On va commencer par faire l'exemple du SIPO. Supposons, par exemple, qu'on veut transmettre, faire entrer cette valeur. Ça, c'est la valeur 9 en binaire. C'est la valeur 9. On va la faire transmettre dans le shifter SIPO. SIPO, c'est Serial In. Ça veut dire les valeurs, on va les entrer en série, l'une après l'autre. Et le shifter, il va les sortir en parallèle. On va voir ça directement. On va commencer, bien sûr, il y a l'horloge, on doit suivre les francs montants. On doit commencer par le premier franc montant. Le shifter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre qu'un seul bit et il va le faire rentrer. Il va prendre le premier bit. Il va le faire entrer. Lorsqu'il entre, le shifter directement, il va le sortir sur la première sortie. Voilà, c'est la valeur 1. Voilà, il va la sortir ici. Ça, c'est pour le premier franc montant. On continue. On va voir le deuxième franc montant. Pour le deuxième franc montant, le shifter, il va passer à la chaîne la deuxième valeur, qui est le 0. Il va entrer la deuxième valeur, qui est le 0. Le 0, il doit passer juste ici. Mais pour cela, il y a un décalage. C'est ça le shift. Il y a un décalage. Le chiffre précédent qui était 1, il doit passer vers la deuxième sortie. Il va passer ici, il va être décalé ici. C'est ça le shift. Il va être décalé vers S1, vers la deuxième sortie, et on va effacer son ancienne position. Et dans la première position, c'est le 0. C'est le 0 qui va prendre la première position. C'est le deuxième chiffre qui va prendre la deuxième position. Bien sûr, ici, les sorties ils sont en parallèle. Ici, on a 0 et 1 qui sortent en même temps. On peut les lire tous les deux en même temps. Voilà, on continue. On va voir avec le troisième franc montant, que va-t-il se passer? C'est la troisième valeur qui va entrer. C'est le troisième, c'est le 0, c'est le deuxième 0. Le deuxième 0. Et la même chose, le décalage va encore s'effectuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier chiffre va passer à la troisième position. Le deuxième chiffre, qui était le 0, il va passer à la deuxième position. Il va libérer la première place. La première place est réservée pour le troisième chiffre. Le troisième chiffre, c'est quoi? C'est le 0. C'est un 0. Voilà, ça c'est pour le troisième franc montant. On attend le quatrième franc montant. Que va-t-il se passer dans le quatrième franc montant? Dans le quatrième franc montant, c'est la même chose. C'est le quatrième bit qui va être transmis, qui va passer. C'est le quatrième bit, c'est un 1. Et la même chose, le shifter, il va décaler. Il va décaler les autres bits. Ça veut dire, ce bit-là va passer ici. Ce bit-là, c'était le premier bit. Il va passer à la quatrième position. Il va libérer sa position qui va être prise par ce chiffre. Voilà, ce chiffre, il va être décalé ici. Ça, c'est le deuxième chiffre. Il va passer à la troisième position. Et le premier chiffre, il va passer à la deuxième position. La première position va être libre, va se libérer, et le dernier chiffre, il va passer à la première position. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça se passe de cette manière. Le décalage se fait de cette manière. Ça veut dire, à chaque fois, on lui donne un bit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décaler les autres d'un bit et libérer la première place pour entrer le nouveau bit dans la première place. Les autres, ils sont décalés. Le décalage se fait de cette manière. On peut dire que le décalage ici, il est à droite. Voilà. Bien sûr, juste une information. Supposons par exemple qu'on continue. On va donner par exemple un cinquième. Un cinquième chiffre ici. Par exemple, un 1 ici. Que va-t-il se passer là? Pour le cinquième franc montant, le 1 ici, il va sortir. Il va sortir et on va le perdre. On va perdre cette information. Il va sortir et on va la perdre. C'est comme les shifters combinatoires. On va perdre cette information. Le 0 ici, il va passer à la quatrième position. La même chose pour le 0 précédent. Ce 0-là, il va passer vers la troisième position. et le 1, il va passer vers la deuxième position. Bien sûr, la première place, elle s'est libérée, elle va contenir le cinquième bit. Elle va contenir le cinquième bit. On a fait ce cas juste pour observer que les bits ont sorti à la dernière position, ils vont se perdre. Voilà, ça c'est le fonctionnement de ce qu'on appelle un shifter SIPO. Un shifter SIPO fonctionne de cette manière. Le deuxième type, le shifter PISO, fonctionne autrement. Ça veut dire, on va lui donner la même valeur. Par exemple, 1, 0, 0, 1. Ici, offrons maintenant les 4 valeurs, elles vont entrer toutes en parallèle. Elles vont toutes entrer en parallèle à l'intérieur du shifter. Il va les mémoriser, les 4 valeurs. Alors, on va juste essayer de faire plus clair. Alors, je vais effacer ça. Les valeurs, elles sont ici. Lors du fromentant, les 4 valeurs, elles vont entrer toutes en parallèle et en même temps. Pour les autres fromentants, que va-t-il se passer? Le shifter, il va sortir les valeurs bit par bit, l'une après l'autre. Par exemple, ici, pour le premier fromentant, il va sortir cette valeur. Pour le deuxième fromentant, il va sortir cette valeur. Pour le troisième fromentant, il va sortir cette valeur, ce troisième chiffre. Pour le quatrième fromentant, il va sortir cette valeur. C'est le quatrième chiffre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il va faire la sortie, ce qu'on appelle la sortie en série. La sortie en série. Il y a une remarque concernant ce shifter. Ce shifter, je n'ai pas dessiné ici, mais il doit avoir impérativement une entrée de commande. Cette entrée de commande, elle doit commander entre les deux opérations, parallèles et séries. On ne peut pas faire les deux opérations en même temps. On ne peut pas, par exemple, entrer les 4 valeurs et en même temps faire sortir. Il faut choisir. Là, pour faire fonctionner ce shifter, l'utilisateur doit choisir. Ou bien il fait la lecture en parallèle, ou bien il fait la sortie en série. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Contrairement à ce shifter, le shifter SIPO, il n'a pas de... Il doit faire les deux opérations en même temps. Ça veut dire entrer ici la valeur et la sortir immédiatement vers les sorties. Il doit les faire en même temps. Par contre, le shifter PISO, non. Il ne peut pas faire, c'est logique, hein, il ne peut pas faire les deux opérations en même temps. Et tu dois préciser par cette entrée de commande quelle opération il doit effectuer. Là, j'ai écrit P/S bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je lui donne la valeur 1, il fait l'entrée en parallèle. Si je lui donne la valeur 0 par rapport au bar, c'est par rapport à ça. On doit lire les commandes ou bien les entrées de commandes de cette manière. Le bar, ça veut dire 0. Ça veut dire si je mets 0 dans cette entrée, c'est l'opération série qui doit s'effectuer. Bien sûr, toutes les opérations se font au fromentant. L'entrée parallèle se fait au fromentant et les sorties en série se font en fromentant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi des shifters? Les shifters ont cet avantage d'utiliser la composition en cascade, d'être favorable à la composition en cascade. Avec les shifters, vous pouvez les mettre en composition, en cascade, pour former des shifters de taille variée. Ça, c'est un avantage pour les shifters séquentiels. C'est un avantage pour les shifters séquentiels. Il y a aussi un point qu'il faut souligner, c'est l'orientation. Ça veut dire qu'il y a des shifters de gauche à droite et il y a des shifters de droite à gauche. sur les shifters séquentiels aussi. Mais il faut savoir que l'orientation, elle n'est pas si importante que ça. Réellement, effectivement, l'utilisation des shifters séquentiels est utilisée pour faire la conversion entre une transmission série parallèle ou bien l'inverse, parallèle série. C'est ça leur principal intérêt, c'est de les utiliser comme des convertisseurs pour ces deux modes de transmission. Ils sont très utilisés pour ce but précis. On va donner un exemple, on va voir un exemple réel, concret sur l'utilisation des shifters. On peut voir, ça c'est une calculatrice. Il faut savoir que la calculatrice, à l'intérieur, elle utilise un processeur. C'est un processeur qui va faire le calcul et qui va afficher le résultat. On peut voir ici que cette calculatrice, elle peut afficher jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle peut afficher jusqu'à 10 chiffres différents et son afficheur contient 10 afficheurs 7 segments. Elle contient 10 afficheurs 7 segments. Il y en a beaucoup. Normalement, un seul afficheur 7 segments, normalement, il a besoin de 7 connexions. On doit contrôler les 7 segments. Si on calcule le total, normalement, on aurait besoin de 70, c'est 7 fois 10. On aurait besoin de 70 connecteurs pour contrôler l'affichage sur 10 chiffres. Et ça, c'est énorme. Généralement, les processeurs n'ont pas cette capacité. Le processeur doit avoir 70 sorties pour contrôler cet affichage. 70 sorties, elles sont réservées que pour l'affichage. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est énorme. 70 sorties consacrées, consommées que pour l'affichage. Ça, c'est énorme. Généralement, l'implémentation interne ne se fait pas de cette manière. Normalement, ici, il est favorable pour ce problème, pour ce genre de problème, il est préférable d'utiliser les shifters. Comment on peut les utiliser? On peut utiliser les shifters de type SIPO, Serial In, Parallel Out. On peut les utiliser en cascade pour former par exemple une sortie en parallèle sur 70 connecteurs. 70 connecteurs avec une seule entrée en série. On peut faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire réellement? On va prendre une seule sortie du processeur et cette sortie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir en série les 70 segments. Les 7 segments du premier chiffre suivis des 7 segments du deuxième chiffre et ainsi de suite. Elle va les faire sortir en série. Elle va faire sortir les 70 segments. Ils vont être étalés et sortir en parallèle, en même temps, en parallèle, vers les 70 connecteurs des 10 afficheurs 7 segments. De cette manière, ce processeur, avec une seule sortie, il a pu afficher une valeur sur des chiffres. Bien sûr, l'opération de transmission est très rapide. Par exemple, ça va être inférieur à, par exemple, 1/10 de seconde pour faire la transmission de 70 chiffres. C'est très rapide, c'est invisible à l'œil nu. Ça veut dire qu'il va afficher comme si instantanément les 10 chiffres en même temps. Les 10 chiffres en même temps. Ça, c'est une solution. Il y a d'autres solutions. Ça, c'est une solution qui est très pratique, qui est très utilisée pour exploiter les shifters. Ici, on vient d'exploiter les shifters pour maximiser le nombre de sorties d'un processeur ou bien d'un calculateur. On va voir maintenant quelques références pour shifters séquentiels. Ça veut dire quelques circuits réels de type 74 qui sont utilisés pour implémenter les shifters séquentiels. Alors, on peut commencer avec le plus connu, c'est le 74 1695. C'est un shifter 8 bits de type SIPO qui est pratiquement très connu et très utilisé. On a aussi le 74 166, c'est aussi un shifter 8 bits, c'est un shifter séquentiel 8 bits, mais cette fois-ci de type piezo. Le troisième, le 74 198, C'est un shifter 8 bits bidirectionnel. Bidirectionnel ici, ça veut dire qu'il peut implémenter la direction de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Ça veut dire il comporte les deux directions. On peut aussi appeler ce type de shifter universel. Ça veut dire il comporte les deux directions. Les modes qu'il peut implémenter, c'est les deux. Il peut être SIPO ou bien il peut être PISO. Il a des entrées de commandes qui permettent de choisir l'un des deux modes. Vous pouvez l'utiliser comme SIPO ou bien l'utiliser comme PISO. Bien sûr, on peut constater que ce shifter, il est très versatile. Il utilise plusieurs modes. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Le quatrième, c'est le 74299, c'est aussi un shifter 8 bits bidirectionnel ou bien universel. Il comporte aussi les deux modes, il peut être SIPO ou bien il peut être PISO. Et voilà, on vient de terminer la section des shifters séquentiels. Le troisième composant qu'on va voir, c'est les compteurs, ou bien ce qu'on appelle en anglais les counters. Ces composants, c'est quoi par définition? Par définition, ces composants, ce sont des circuits séquentiels qui comptent en binaire. Ils peuvent compter, ils font le comptage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, le comptage c'est 1, 2, 3, 4, on appelle ça le comptage. Les circuits séquentiels de type compteur, ils permettent de faire ça. Et ça, vous allez voir, c'est très très important pour les circuits numériques. Deuxième point, il possède pas d'entrée, mais possède une sortie pour compter binairement de 0 à 2n-1. On va juste revoir ça après. Voilà, il ne possède pas d'entrée, mais il possède n sorties. Il possède n sorties. Les compteurs aussi adhèrent à la composition en cascade. Cette remarque aussi, ce point aussi, on va le revoir juste après. Le plus important, c'est que les compteurs, où est-ce que vous allez les trouver? Vous allez les trouver dans des appareils électroniques comme par exemple la montre ou bien comme à droite le chronomètre. La montre par exemple, elle permet de compter les secondes. La montre c'est un appareil électronique très utilisé. Il est pratiquement utilisé quotidiennement. Lorsqu'il compte les secondes, à l'intérieur, il va utiliser ce qu'on appelle un compteur. La même chose à droite pour le chronomètre. Le chronomètre, il permet de calculer le temps, de mesurer le temps. Voilà, c'est la même chose, c'est que le compteur, il va incrémenter, il va à chaque fois ajouter plus 1 et compter le nombre de secondes. Le schéma global d'un compteur est comme ceci. Voilà, on a le compteur ici sur 4 bits, il n'a pas d'entrée, il a ici 4 sorties. S0, S1, S2, S3. Et si on observe bien, c'est que le compteur fonctionne de telle sorte que lors du fromentant, il compte une fois. Le deuxième fromentant, il va ajouter plus 1 et compter une deuxième. Par exemple, ici, ça c'est l'horloge, ça c'est le signal d'horloge. Par exemple, le premier fromentant, la valeur est 0 sur 4 bits. C'est la valeur 0 sur 4 bits. Le deuxième fromentant, c'est la valeur 1. Sur 4 bits, 0, 0, 0, 1. Le troisième fromentant, c'est 0, 0, 10. Ça veut dire que c'est la valeur 2 en binaire. Le quatrième fromentant, c'est 3 en binaire. Et ainsi de suite. Il va compter jusqu'à la valeur 2 à la puissance n-1. Ça veut dire, ici, on a 4 bits. Ça veut dire jusqu'à la valeur 15. Il va compter de 0 jusqu'à 15. Et répéter. Lorsqu'il arrive à 15... Pour le prochain fromentant, il va répéter 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Voilà, c'est un circuit très simple à expliquer. Il fait une opération très simple. Il va compter. Il va juste compter. Alors, avant de continuer, il y a quelques remarques à dire. Le compteur, généralement, il possède une entrée de commande. Cette entrée de commande est appelée le reset. Le reset, qu'est-ce qu'il fait? Il remet, il réinitialise le comptage à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons par exemple qu'on compte 0, 1, 2, 3. À un certain moment, on est arrivé à 4 et on a mis un reset. Le reset, il va rebooter. Il va recompter de 0. Il va revenir au 0. 0,1, 2, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est le reset. Son comportement est assez simple. Il va revenir à la valeur initiale qui est 0. Il va revenir à la valeur initiale. Il y a une deuxième remarque. Cette deuxième remarque stipule que le compteur peut avoir des entrées. Par définition, il n'a pas d'entrée, mais il peut avoir, il y a des cas où le compteur il a des entrées. Il a par exemple 4 entrées. Le rôle de ces entrées, c'est de donner une valeur initiale. Par exemple, je veux compter à partir de la valeur 5, par exemple. Je veux compter 5, 6, je ne veux pas démarrer de 0. Pour faire cette opération, dans les entrées, je vais entrer la valeur 5 et la valeur 5, elle va devenir ma nouvelle valeur initiale au lieu de 0. Ça va devenir la nouvelle valeur initiale. Ces 4 entrées sont assez simples. Ils sont utilisés pour donner une autre valeur initiale à notre compteur. Voilà. Maintenant, on va voir quelques références de compteurs. On va voir quelques circuits du type 74, de la série 74. Il y en a beaucoup. Les compteurs, ils sont très très utilisés en électronique numérique. On a toujours besoin d'avoir des valeurs à compter. On va commencer par le plus célèbre, c'est le 7461. C'est un compteur sur 4 bits. C'est un compteur sur 4 bits et c'est un compteur synchrone. C'est un compteur synchrone. Je vais revenir sur cette notion de synchrone, ce type de synchrone. On n'avait pas parlé de ça. On n'avait pas dit que les compteurs sont synchrones. C'est une particularité, on va l'étudier. Je vais en parler à la fin. Il y a 74, 163. C'est aussi un compteur sur 4 bits synchrone. Il y a le 74, 160. C'est un compteur décimal. Décimal counter synchrone. Ça, décimal, ça veut dire qu'il compte de 0 à 10. C'est pas de 0 à 15. Un compteur sur 4 bits, il compte de 0 à 15. Un compteur décimal, il s'arrête au 9, pardon. Il s'arrête au 9. Il compte 0, 1, 2, 3. Il arrive au chiffre 9 et il va rebooter. Il va revenir à 0. Voilà, c'est ça un compteur décimal. Il y a le 74-162, c'est aussi un compteur décimal, ça veut dire 0, 1, 2 jusqu'à 9 et il le reboot. Il y a le 74-191, c'est un compteur 4 bits universel, un compteur universel synchrone. Alors le terme universel ici, ça veut dire que le compteur, il peut compter en incrémentant et il peut compter à l'inverse, en décrémentant. Ça veut dire 9, 8, 7. Ça, c'est l'inverse. S'il a la possibilité de faire les deux opérations, on dit que ce compteur, il est universel. Il y a une autre appellation aussi, on peut l'appeler up-down. Vous pouvez trouver dans la littérature le terme up-down. Ça veut dire, il fait le up, il incrémente, et le down, ça veut dire il décrémente. Il décrémente. Ce terme est aussi utilisé, le up-down, ou bien universal. Le 74-173, c'est aussi un compteur universel, synchrone, il fait les deux opérations. On a le 74-590, c'est un compteur 8 bits, mais cette fois-ci, il est asynchrone. Il n'est pas synchrone. Il est ripple. Je vais expliquer ça à la fin. Je vais expliquer la différence entre synchrone et asynchrone. Il y a le 74-779. C'est un compteur sur 8 bits, universal. Counter, ça veut dire il compte en up et en down. Il incrémente ou bien il décrémente. Alors, la plupart des circuits qu'on vient de voir ici, ce sont des circuits synchrones. Il y a des compteurs qui sont asynchrones. Ils sont aussi appelés ripple, comme le 74-590. C'est aussi ripple. Ripple ou asynchrone, c'est la même chose. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que à l'intérieur, lors de la conception, il y a une méthode facile de concevoir les compteurs. C'est les compteurs asynchrones ou bien ripple. Ils sont très faciles à construire. Leur inconvénient, c'est qu'ils sont asynchrones. Qu'est-ce que ça veut dire asynchrone? C'est que l'horloge est différente pour chaque sortie. Par exemple, on a 4 sorties. La sortie de la valeur du premier chiffre de 0. Le premier chiffre, c'est le chiffre 0. Le deuxième chiffre, c'est 1. Le troisième, c'est 2, 3. L'horloge du premier chiffre, elle est légèrement plus rapide que la deuxième. La deuxième, elle est légèrement plus rapide que la troisième. La troisième, elle est légèrement plus rapide que la quatrième. Pourquoi? Il faut voir comment c'est conçu. C'est à cause de la conception. Et ça, c'est un défaut. Ripple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vague. Ça veut dire l'horloge, les sorties, ils vont sortir comme une vague. C'est le premier qui va sortir, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième chiffre, sur 4 bits par exemple. Ils vont sortir de cette manière, comme une vague. Ce n'est pas instantané. La vague, bien sûr, elle est minime, elle n'est pas visible. Quand est-ce qu'elle devient dérangeante? Elle devient dérangeante lorsque on est en haute fréquence. Par exemple, lorsqu'on dépasse 1 méga, le 10 mégahertz, là, on ne peut plus utiliser des compteurs de type asynchrone ou bien de type ripple. On ne peut plus les utiliser. Pourquoi? À cause de cet inconvénient. Ils sont asynchrones, il y a cette vague, il y a cette latence qui va se propager et elle va gêner. Lorsque on est en haute fréquence, bien sûr, ça va gêner le propre fonctionnement du circuit. Par contre, à basse fréquence, on va dire inférieure à 1 méga, ça fonctionne normalement. Par contre, tous les autres qui sont des compteurs synchrones, ils sont plus compliqués à concevoir, mais ils sont synchrones. Ça veut dire que l'horloge, elle est unique pour les 4 chiffres. Elle est unique. Ça veut dire que le résultat pour les 4 chiffres sortent en même temps. Il n'y a pas de ripple, il n'y a pas de délai entre les sorties des bits. Voilà, c'est ça, c'est la principale différence entre l'asynchrone et le synchrone. Je répète, l'asynchrone ou bien le ripple, il est plus facile à concevoir, mais il a l'inconvénient d'avoir un délai qui va se propager. Dans les sorties, et ça peut gêner si il est utilisé dans des circuits à haute fréquence. Plus de 1 méga, 10 méga, 100 méga, c'est inutilisable. Par contre, les circuits, les compteurs de type synchrone, ils sont synchrones, il n'y a pas de ripple, le résultat sort instantanément, mais ils sont plus complexes à concevoir, ils ne sont pas si faciles que ça. Un dernier point que j'aimerais en parler, c'est la composition en cascade. Il est très simple d'utiliser les compteurs, de les mettre en cascade pour créer des compteurs de taille variée. Par exemple, on peut prendre 2 compteurs de 4 bits pour créer un compteur de 8 bits. C'est assez simple, je ne vais pas le démontrer, mais c'est très simple. Ça veut dire qu'il suffit juste de prendre le dernier chiffre et de le rendre comme horloge pour le compteur suivant. Le dernier chiffre du premier compteur, il va devenir l'horloge du circuit compteur suivant. Voilà, et ça va créer la composition en cascade. Le 4e circuit qu'on va voir, c'est le dernier parmi les circuits séquentiels les plus connus. On va voir les multiplicateurs et les diviseurs. On avait déjà vu ça avec les circuits combinatoires et vous allez voir qu'ils se ressemblent énormément. Voilà, je vais dire, ça fonctionne comme les multiplicateurs et les diviseurs des circuits combinatoires. Ils fonctionnent pareil, comment ça, ils fonctionnent pareil? On va expliquer ça, on va juste voir le dernier point et on va expliquer. La différence, c'est que le résultat n'est pas instantané. Il faut plusieurs périodes d'horloge. Voilà, c'est ça la différence entre un circuit combinatoire et un circuit séquentiel dans la multiplication et la division. Voilà, on va revoir ça. On a à gauche la multiplication. On a A multiplié par B, A sur 4 bits, B sur 4 bits, le résultat sur 8 bits. Pour la division, c'est la même chose. On a A sur 4 bits, B sur 4 bits, Q, le quotient sur 4 bits et le reste sur 4 bits. C'est exactement comme les circuits combinatoires. C'est la même philosophie. La seule différence, c'est que ces circuits possèdent des horloges. Et on avait dit que malheureusement, pour les circuits séquentiels, le résultat n'est pas instantané, comme les circuits combinatoires. Les circuits combinatoires, ça veut dire lorsqu'on fait une multiplication, le résultat, il est instantané, il est direct, il est immédiat. Pour les circuits séquentiels, non, ce n'est pas le cas. Réellement, chaque bit, il est calculé pour une période d'horloge. Par exemple, la multiplication, on a 8 bits. Normalement, ça va prendre 8 périodes d'horloge. Une période pour le premier bit, le calcul du premier bit, le deuxième, le troisième. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que le résultat correct, il est valide qu'après 8 périodes d'horloge, ou bien 8 fragments. Et la même chose pour la division. La division, c'est 4. Il faut 4 périodes, ça veut dire la première période. Le diviseur, il va calculer le premier bit. Après la deuxième période, il va calculer le deuxième bit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il continue son calcul. Là, malheureusement, ce n'est pas instantané. Ce n'est pas comme les circuits combinatoires. Là, les circuits combinatoires, c'est mieux. Les circuits combinatoires, c'est mieux. Ils sont beaucoup plus rapides, alors que les circuits séquentiels, ils sont beaucoup plus lents. Mais, en contrepartie, les circuits séquentiels, ils ont un certain avantage. Leurs avantages, c'est leur simplicité d'implémentation. Ça veut dire qu'ils sont plus simples à implémenter que les circuits combinatoires. Ce n'est pas la simplicité, c'est beaucoup plus la complexité. C'est le nombre de portes. Par exemple, le multiplicateur sur 4 bits, normalement, le nombre de portes, ça doit excéder, pour le circuit combinatoire, ça doit excéder les 50 portes logiques. Pour le diviseur combinatoire, normalement, ça doit excéder ou approcher le 100 portes logiques. C'est énorme, c'est énorme. Par contre, les circuits séquentiels, malgré qu'ils sont lents, ils sont très simples à concevoir. Ils ne consomment pas beaucoup de portes. Ils sont assez simples. 2-3 composants. Deux, trois composants suffisent pour construire un multiplicateur ou bien un diviseur séquentiel. Voilà, c'est ça, la balance. C'est ça le compromis. Ça veut dire les circuits séquentiels, ils sont lents, mais ils sont simples à concevoir. Par contre, les circuits combinatoires, ils sont plus rapides, plus efficaces, mais ils sont complexes à concevoir. Ils sont complexes à concevoir. Dans la réalité, dans le cas réel, ce problème est bien connu. Il est même visible dans la programmation. Ça veut dire, on sait que, par exemple, la multiplication, elle est plus lente que la division. Surtout pour les systèmes anciens. Les systèmes modernes, ça tend à disparaître. Mais pour les anciens systèmes, la multiplication était beaucoup plus lente que, par exemple, l'addition et la soustraction. Et parfois, pour optimiser, il fallait éviter l'utilisation de la multiplication et de la division. C'est pour cette raison, dans le cas réel, dans la pratique, à l'intérieur des processeurs, normalement, vous allez trouver des circuits multiplicateurs et diviseurs hybrides. Hybrides, ça veut dire qu'ils vont prendre un peu des techniques des circuits combinatoires et un peu des techniques des circuits séquentiels pour créer un circuit le plus optimal possible, ça veut dire le moins de portes, le plus rapide possible. Ça, c'est dans le cas réel. Voilà, et on vient de terminer cette partie concernant les circuits séquentiels les plus connus.